Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, célébration de la Journée mondiale de la Poste. Innover pour repartir, c'est le thème de l'édition 2021. Au Bénin, une cérémonie organisée par la Direction générale de la Poste a consacré cette célébration. Une cérémonie au cours de laquelle plusieurs lauréats ont été primés. La proposition de loi sur la légalisation de l'avortement au Bénin continue de susciter de vives réactions à tous les niveaux. Pour les religieuses et gardiens de la tradition, il faut à tout prix éviter la désacralisation de l'être humain dans le rang des organisations de la société civile et chez les médecins praticiens. Plusieurs autres facteurs viennent relancer le débat. Les différents avis dans ce journal. À Parakou, c'est l'insécurité qui est le lot quotidien des conducteurs de taxi-moto, communément appelés Zémidjan. À l'instar de leurs collègues des autres villes du Bénin, ils travaillent de jour comme de nuit pour assurer le transport des personnes et des biens à travers la ville. Dans ce journal, nous ferons une incursion dans l'univers des Zémidjan de Parakou. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Célébration de la Journée mondiale de la Poste, l'édition 2021 de cette commémoration est marquée au Bénin par l'organisation d'une cérémonie initiée par la Direction générale de la Poste à Cotonou. Une cérémonie au cours de laquelle plusieurs lauréats ont été primés, occasion pour les uns et les autres de réfléchir sur le thème de cette année, à savoir « Innover pour repartir ». C'est une journée pour la reconnaissance du secteur postal dans le monde entier. Cette année encore, le ministère de l'Économie et des Finances à travers la Direction générale de la Poste sacrifie à sa traditionnelle célébration. Un moment pour l'équipe dirigeante de la Poste de présenter au public les grandes avancées qu'a connues le secteur de la Poste au Bénin. Il s'agit entre autres de nouveaux services et produits de la Poste dont la tontine mobile Zedaga et les facilités de transactions financières comme par exemple Poste Mobile Banking. Des services qui placent désormais la Poste du Bénin au rang des acteurs majeurs de l'inclusion financière, sociale et numérique. Cette année, elle intervient dans une période où la Poste du Bénin se retrouve au confluent de plusieurs défis stratégiques. Il s'agit primo, du défi de l'élargissement de l'assiette des services financiers aux activités bancaires. Deuxio, du défi du développement et de l'aménagement du réseau postal. Et tertio, du défi de la transformation digitale. La souplesse et l'adaptabilité dont la Poste fait preuve en matière de prestation de services et sur le plan opérationnel sont également porteuses d'espoir pour l'avenir du secteur postal. Et c'est conscient du rôle moteur de la Poste au plan socio-économique que le gouvernement du président Patrice Talon a engagé des réformes structurelles et organisationnelles pour faire de la Poste du Bénin un véritable instrument financier et bancaire répondant aux besoins des citoyens et accessible. Et pour y arriver, les autorités envisagent déjà créer une banque postale avec des ramifications sur toute l'étendue du territoire national. C'est à cette innovation que je vous appelle aujourd'hui. Notre poste doit changer de visage. Nous avons pris la mesure de la situation et le chef de l'État l'a annoncé. La Poste du Bénin doit redorer ses lettres de noblesse en s'adaptant aux réalités et aux exigences de son temps. Madame la directrice générale de la Poste du Bénin, mesdames et messieurs, après un an de gestion, vous avez réussi, avec vos collaborateurs, à conjurer le triste sort d'une contre-performance devenue congénitale depuis la création de la Poste du Bénin. Ce résultat est le fruit d'un management qui mérite d'être salué et encouragé. Je voudrais donc saisir cette occasion pour saluer votre engagement à consolider la santé financière de la Poste sans jamais perdre de vue l'objectif ultime qu'est le besoin du client. La célébration de cette 147e édition a été l'occasion de récompenser les 10 lauréats du concours de composition épistolaire, mais aussi les gagnants de la Tombola CNE. La Poste du Bénin s'engage ainsi dans un vaste chantier d'innovation pour mieux servir sa clientèle composée des citoyens. Au
Rôle du qualiticien dans la transformation et la mise sur le marché des produits locaux, c'est cette thématique qui était au cœur des échanges du Café Débat organisé par la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin. Ce deuxième numéro du Café Débat s'inscrit dans la droite ligne de la célébration du mois du consommateur local. Reportage à Limoune. Les producteurs locaux, à nouveau au centre d'un Café Débat, initié par la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin. Après la discussion avec les hommes des médias, les voici à l'acte 2 face à une responsable qualité. C'est une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du mois du consommateur local. Le thème de ce numéro est intitulé « Rôle du qualiticien dans la transformation et la mise sur le marché des produits locaux ». Le thème a été choisi pour montrer combien le rôle du qualiticien est important dans les produits que nous que les Béninois peuvent mettre sur le marché. En réalité, c'est pour accompagner les entreprises à respecter et à se conformer aux exigences des marchés nationaux et internationaux. Au cours du Café Débat, les participants ont d'abord suivi une communication de la responsable qualité sur le thème. En une heure d'échange, l'animatrice du Café Débat a abordé plusieurs aspects de la thématique, partant de l'intérêt de la démarche qualité aux différents rôles du qualiticien. Le qualiticien, puisque c'est de lui qu'il s'agit, peut jouer un rôle de formateur, un rôle d'informateur sur les questions de qualité, un rôle de conseil dans la mise en place de la démarche qualité, un rôle de coordonnateur dans la promotion du système qualité et un rôle d'auditeur également. Le qualiticien pourrait accompagner les producteurs dans l'identification des normes relatives à leur secteur d'activité. Ce Café Débat fait entre autres partie des différentes activités de la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin au cours de ce mois du consommateur local. Il vise la promotion des produits locaux. Nous allons à présent dans le département du Borgou. 35 patients souffrant de l'hépatite C ont reçu des kits sanitaires pour leur prise en charge gratuite. C'est une initiative du Rotary Club International Bénin qui s'inscrit dans le cadre de la phase 2 du projet Hépatite 0 au Bénin. La cérémonie de remise s'est déroulée au centre hospitalier départemental du Borgou et de la Liborie. Suivant. Lyon de France CFA pour soutenir le traitement des malades. 35 kits médicamenteux pour un coût total de 20 millions de francs CFA. Ils sont 35 patients, 16 au CHU de Borgou à Liborie, 4 à l'hôpital d'instruction des armées de Parakou et 15 à l'hôpital de zone de Tanguita à bénéficier de cette assistance de Rotary Club International à travers notamment son district 9102. Un don qui s'inscrit dans le cadre de la phase 2 du projet Hépatite 0 au Bénin, celle de la prise en charge des porteurs de l'hépatite C et qui épouse parfaitement la devise des Rotary Club du monde, servi d'abord. Les Rotariens de par le monde agissent selon la devise « servir d'abord » en impactant les communautés des villes et campagnes et surtout les communautés les plus défavorisées. Ce geste est fort symbolique comparé à l'immensité des besoins à couvrir. Mais nous savons que réellement toute œuvre humaine doit partir d'un premier pas. Ce que nous faisons aujourd'hui est un premier pas et d'autres pas suivront. Cette action de haute portée sociale a été possible grâce à la contribution d'autres organisations et des partenaires engagés dans la lutte contre les hépatites. C'est le lieu de mentionner que les Inner Wheel du Bénin ont pris en charge 2 patients sur les 35 identifiés pour un montant de 1,2 million de francs CFA. Nous, partenaires, sommes convaincus qu'une prise en charge complète et un suivi adéquat des malades porteurs de cette affection reste un fort gage d'atteinte des objectifs du dit programme. Le traitement d'un patient dure 3 mois pour un coût individuel de 600 000 francs CFA
entièrement financé donc par Rotary Club International Bénin. Et pour ce qui est de la prise en charge adéquate et du suivi régulier des malades, les donateurs peuvent être rassurés. Nous vous rassurons qu'avec la participation des médecins traitants, ces médicaments seront utilisés à bon escient pour la satisfaction des 10 patients et de leurs familles. Toute notre gratitude au Rotary Club du Bénin et nous espérons que d'autres bonnes volontés suivront le pas car la lutte contre les hépatites virales est l'affaire de tous. L'hépatite C est une inflammation du foie causée par un virus, le VHC. Selon les résultats d'une vaste campagne de dépistage menée en 2019 lors de la première phase du projet Hépatite Zéro et qui a porté sur un échantillon de plus de 12 000 personnes, 1,2% de Béninois souffrent de l'hépatite C. Tests et lois en République du Bénin, actuellement sur la table des députés pour étude, une proposition de loi sur la légalisation de l'avortement au Bénin. Une proposition de loi qui suscite de vives réactions aussi diverses que multiformes au sein de la société. En attendant la suite des débats au Parlement, nous avons recueilli les avis de plusieurs acteurs. Voici ce que pensent les leaders religieux et les gardiens de la tradition de cette proposition de loi. Quand on parle des esprits torosu, c'est qui? Ce sont les enfants avortés. Les enfants avortés sont des enfants, déjà quand il a la formation de l'œuf, il a déjà une âme qui s'apprête à habiter cet œuf pour devenir un fœtus et devenir un homme. Forcément, une âme qui est déjà là. Maintenant, cette âme qui est déjà prête, qui est toute contente pour venir en vie, vous l'empêchez de descendre, cette âme devient un rebelle spirituel. Raison pour laquelle vous allez voir des gens, malgré tout ce qu'ils font, leur réalisation n'atteint pas. Malgré qu'ils gagnent des centaines de mille, ils auront toujours des dispersions d'argent. Quand ils vont consulter, on leur dit « Ah, vous avez fait un tel avortement. » Et c'est ça qui est en train de vous causer telle chose. Il faut aller faire des cérémonies. La Bible nous a dit « Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte. » C'est dans Exode 23, verset 26. Ce n'est pas que je suis plus que contre l'avortement. Parce que tous les jours, j'ai ça à l'église. Il y a une dame, elle est obligée de confesser tout le nombre d'avortements qu'elle a fait. Parce qu'elle n'avait pas eu de grossesse. Mais quand elle est venue, elle a confessé. Moi, je lui ai demandé, tu as fait combien d'avortements? Elle a dit que c'est trop, pasteur. Il dit, il faut prier jusqu'à avoir le pardon de tes péchés. Parle avec Dieu. Confesse. Dieu aura pitié de toi. Vous savez, elle est tombée enceinte. Dieu l'a pardonné. Dieu dit, ne tuez pas la vie que j'ai soufflée sans raison. Et Dieu dit, voilà, taktulu amfusakum. Ne vous tuez pas. C'est un crime. Mais l'islam dit, l'avortement, c'est sous condition. Quand vous verrez que l'ancêtre là va créer des problèmes à la femme. Et avortement, quand on va, ah, si elle est enceinte, le jour qu'elle va donner, où elle part. Alors que l'islam dit, on ne tue pas maman à cause de l'enfant. Il y a des cas. Par exemple, quand une fille a été violée, c'est un problème, mais il vaut mieux résoudre ces cas-là, cas par cas, avec au moins 3 docteurs compétents, des assistantes sociales, pour pouvoir intervenir. C'est une question de parenté responsable et d'éducation des parents et des enfants. Alors, nous devrons, en tant qu'autorité religieuse, nous battre pour que cette loi ne soit pas chose réalisée. En ce sens que si nous disons un aujourd'hui, nous allons prendre deux. Si déjà il n'y a plus d'avortement, il y a avortement, ça voudra dire qu'on peut nous amener à l'homosexualité. Or, nous avons aboli la peine capitale dans notre pays. Et si on a aboli la peine capitale et qu'on procède légalement à l'infanticide, ça veut dire que nous sommes en porte à faux avec cette loi-là. Une vraie femme, c'est une porteuse de vie.
Nous savons que quand une femme va et se marie, la seule chose qu'on attend d'elle, c'est l'enfant. Et dès qu'elle n'a pas l'enfant, elle a toute la belle famille au dos, elle a toute la société au dos. C'est elle qui donne des enfants à la société. L'homme est le capital précieux du développement. Donc si on fait de son utérus un cimetière, je crois que la vie n'a plus de sens dans cette société. Rappelez-vous que dans ce pays, il a été demandé à un président de signer pour qu'on puisse tuer des gens qui avaient commis des crimes humains. Et le président a dit, je pourrais me rappeler à peu près de l'expression « Betok pendant pendant, il m'a grand signé ». On ne peut pas supprimer la vie humaine. Ça veut dire que si on arrive à légaliser l'avortement, on pourra encore retoucher à notre constitution parce que dans notre constitution, c'est dit que la vie est sacrée. Nous n'avons pas offensé les esprits. Nous, notre point de vue, mon point de vue personnel, c'est non. Le point de vue de la communauté vaudou, c'est non. Mais cette question a été débattue à une réunion de la plateforme nationale des structures religieuses engagées pour la promotion de la santé au Bénin et sur la voix a été unanime 100% pour dire non parce que c'est une porte ouverte à d'autres. Voilà, vous avez suivi l'avis des leaders religieux et des gardiens de la tradition. Et l'Église catholique a également une position très tranchée en ce qui concerne cette proposition de loi relative à la légalisation de l'avortement au Bénin. Les évêques du Bénin ont clairement exprimé leur désapprobation. Ils sont d'ailleurs montés au créneau pour inviter les députés à ranger aux oubliettes cette initiative. Nous allons suivre les explications de Mgr Eugène Cyril Rondécon. Il est le porte-parole des évêques du Bénin. Cette loi n'est rien d'autre qu'une légalisation pure et simple de l'avortement. Face à une décision aussi grave, les évêques du Bénin rappellent à tous le respect inconditionnel du caractère sacré et inviolable de la vie, surtout de celle de l'innocent. L'avortement est un acte inhumain qui détruit la vie du fœtus, mais aussi celle de la mère à plusieurs égards. Vous les députés croyants, vous les députés catholiques, les évêques du Bénin vous supplient au nom de Dieu, au nom de notre humanité, au nom des petits innocents, de puiser dans les valeurs culturelles, morales et spirituelles du peuple que vous représentez, les ressources nécessaires pour dire un non catégorique à la culture de la mort. Il y a des alternatives sûres et fiables pour remédier aux maux que l'on entend solutionner par la légalisation de l'avortement. Que Dieu bénisse le Bénin. Et pendant que les religieux insistent sur la protection à tout prix de la vie, les sociologues pensent qu'il faut se départir de l'hypocrisie humaine puisque le mal est déjà dans la société. Docteur Achille Sodegla, sociologue enseignant à l'université d'Abomey-Calavi, pense qu'il faut accepter de contextualiser la proposition de loi relative à la légalisation des interruptions volontaires de grossesse. Suivons ses explications. Moi, je vais plutôt inviter les Béninois à ce qu'on se regarde en face, qu'on se dise certaines vérités. Ou qu'on se dise la vérité pour pouvoir apprécier le phénomène. Les mêmes personnes qui estiment que, ah, attention, le Bénin est une société de valeur, il faut qu'on appelle conserver le nom, c'est que les réalités du Bénin ne sont pas les réalités qui se trouvent en Occident. Lorsque ces mêmes personnes finissent de dire ça, le soir, soit ils sont des acteurs de l'avortement, ou ils participent à entretenir cet avortement. C'est pour dire que
le marché noir de l'avortement au Bénin, tel que c'est entretenu, tel que c'est nourri. Moi, je dis même, si rien n'est fait aujourd'hui pour réguler cela, si rien n'est fait pour contrôler cela, quel type de société voulons-nous pour l'avenir? Est-ce qu'il vous est arrivé une fois d'interroger le nombre de filles qui sont parties par avortement? Moi, j'ai rencontré des jeunes filles. Comme j'aime le dire, lorsque vous prenez sur 10 jeunes filles aujourd'hui, 6 à 7 ont déjà participé au moins une fois à l'avortement. Au moins une fois. La dernière fois, j'ai rencontré une fille qui me dit en tout ce sens, ça fait déjà la 7e fois qu'elle a déjà pratiqué l'avortement. Et lorsqu'on quitte cet aspect de la chose, les personnes qui sont les garants de la société, tous ceux qui devaient participer à contrôler, à réguler, pour conserver ces valeurs qui nous ont trop chères, participent d'une manière ou d'une autre à ce phénomène. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que, en toute société, en toute réalité, nous devons travailler à effacer cette hypocrisie qui entoure ce phénomène. Travailler à déconstruire cette hypocrisie, de telle sorte que ces personnes qui, dans l'arrière-cour, nourrissent, entretiennent l'avortement, ça s'appelle le marché noir de l'avortement, essaient de comprendre que, attention, il va y arriver à un moment où il faut qu'on structure, il faut qu'on légalise, il faut qu'on régisse cela. Sinon, à mon avis, si rien n'est fait, la société de demain que je vois dans venir là, attention, ça risque de devenir autre chose. Et dans le rang des organisations de la société civile, les avis sont aussi partagés, pendant que certains parlent de la désacralisation de la vie humaine avec toutes les dérives y afférentes, d'autres parlent, évoquent plutôt des dérives sociales, les grossesses non désirées et celles à risque. Voici les différentes réactions des membres des organisations de la société civile. Je ne suis pas d'accord. Moi, je ne souhaiterais pas que la vie humaine est sacrée, qu'on le veuille ou non, quoi qu'en soit la posture que nous avons. Et nous avons l'habitude de fabriquer des lois, telles que je le dis, j'utilise le mot comme ça. Mais à des moments donnés, on se rend compte qu'on n'arrive pas à les appliquer comme il se doit. Il y en a tellement au Bénin aujourd'hui. Et je constate qu'on veut encore en ajouter. On veut encore en ajouter, puisque ça peut nous amener à la dérive. On ne pourra pas cadrer, on ne pourra pas comprendre. Moi, je pense qu'une des institutions divines, c'est que l'homme puisse procréer. L'homme puisse procréer. Et aujourd'hui, si nous arrivons, nous, en tant qu'humains, à vouloir aller contre les dispositions divines, je me demande où nous allons vraiment. L'éducation à la procréation, c'est ce qu'il faut. Il ne faut pas attendre que la grossesse survienne et qu'on aille, qu'on permette à ce qu'on puisse l'interrompre. C'est dangereux. Je suppose que je suis violée, je suis violentée, je tombe enceinte. Je ne connais même pas le père de cet enfant. Je suis traumatisée. Doit-on m'obliger à garder ce bébé? C'est à moi de décider. C'est mon droit en tant que femme. C'est mon droit corporel, c'est moi qui décide de mon corps. Lorsque je suis une femme, je suis enceinte et cette grossesse-là est pour moi un danger de vie. Ou c'est une grossesse extra-utérine. N'est-ce pas le droit d'avorter? Tout dispositif allant dans le sens de supprimer la vie humaine est contesté de par le monde. Je crois que depuis fort longtemps, lorsqu'il y a avortement d'une manière ou d'une autre, volontairement ou involontairement, et ces faits sont réprimés violemment, moralement ou juridiquement. Et lorsque les cabinets sont mis en place pour accompagner et de pareils actes, c'est souvent déplorable. Et nous avons vu dans notre État combien de fois certains agents de la santé ont fait leur fortune dans ce domaine. Qu'aujourd'hui, que l'État qui sortent les lois pour la sexualité et autres, pour harcèlement, que ce même État vient poser les jalons, donnant le quitus, donnant droit à ce qui est que l'avortement est légalisé, je crois que c'est inhumain. C'est très inhumain. Et les représentants de l'État, du peuple à l'Assemblée, doivent descendre normalement à la base face à cette loi, doivent descendre normalement à la base, prendre connaissance auprès de leur mandat pour savoir si de pareilles choses sont possibles. En ce qui concerne les OSC, en ce qui concerne toute personne crédible, humaine,
Je crois comprendre que cette loi n'a pas sa raison d'être, d'être votée dans notre État, le Bénin. Aujourd'hui, la peine de mort n'est plus d'actualité au Bénin. Donc ça veut dire que si on arrivait, je ne suis pas juriste de formation, mais je vois une chose par analogie. Si on arrivait aujourd'hui à faire passer cette loi au Bénin, c'est un peu comme si on cautionnait la peine de mort. On vous condamne à la mort. Le fœtus, c'est également un être humain. On le condamne à la mort volontairement. Moi, personnellement, je suis frontièrement contre et je prie vraiment Dieu que cette loi ne passe pas. Et puisque cette proposition de loi est liée à la vie et à la santé, Canal 3 Bénin a fait appel à un spécialiste de la santé pour mieux appréhender l'approche responsable face à une interruption volontaire de grossesse. Le sujet a fait l'objet de discussions sur notre émission Actu Matin de ce mardi. Docteur Raphaël Toton, médecin épidémiologiste et coordonnateur du projet de plaidoyer avec le Collège national des gynécologues obstétriciens, était aussi sur le plateau. Nous allons suivre son avis. C'est la Charte africaine des droits de l'homme des peuples qui l'a dit le 11 juillet 2003 et notre pays l'a ratifié le 22 août 2014. Ça veut dire quoi? Il s'agit d'un sujet d'ordre planétaire et sur le plan africain. Et le Bénin est partie prenante. Le Bénin est partie prenante et a ratifié cela depuis le 22 août 2014 et qui demande expressément à tous les pays membres de garantir aux femmes. Quel est le tort que nos législateurs ont commis en 2003 en prenant la loi 2003-04 du 3 mars 2003? Moi, je l'ai dit bravo. Ce n'est que la mise en application de la ratification de notre pays de ce protocole de Maputo du 11 juillet 2003 que nous avons ratifié le 22 août 2014. Et donc, je rappelle, notre constitution dit en son article 7 que tous les accords et conventions internationaux et proclamés par la Charte africaine des droits de l'homme font partie intrigante de notre... Pourquoi vous ne voulez pas que l'État ou le gouvernement ne donne pas, n'accepte pas à cette demande de la Charte africaine des droits de l'homme pour un protocole que nous avons ratifié? Je vais vous dire quelque chose. La loi 2003-04 du 3 mars 2003 ne permet qu'à une femme sur cinq qu'elle grossesse non désirée de pouvoir accéder à l'interruption volontaire des grossesses. C'est ça. Et au Bénin, l'avortement clandestin est la troisième cause du décès des femmes chez nous, dans notre pays. Après, bien sûr, l'hémorragie qui encadre la période avant, pendant ou après l'accouchement et l'éclampsie qui est un tableau clinique. Bon, que je ne voudrais pas décrire ici sur ce plateau. La troisième cause du décès des femmes chez nous, c'est l'avortement. Les mouvements successifs ont agi sur les trois premières causes. Par la mise en place des SONU au niveau de la formation sanitaire et aussi les SONU communautaires, il reste, malgré ça, notre pays n'a pas réussi à baisser suffisamment le taux de décès maternel. En effet, les statistiques de 2018 ont prouvé que dans notre pays, 391 décès maternels sur 100 000 naissances continuent d'avoir cours. Autre chose, monsieur sa femme, béninoise, continue de perdre la vie en voulant aller donner la vie. 200 femmes meurent au Bénin pour avortement clandestin par an. Alors que dans le monde entier, nous connaissons que il y a 800 décès de femmes par jour liés à la grossesse ou à l'accouchement. Lorsque nous ramenons le contexte au Bénin, nous avons environ 4 à 5 femmes qui meurent par jour en voulant donner la vie pour une cause d'avortement. D'accord. Le projet de loi introduit par le gouvernement permet de résoudre ce problème. Dans un tout autre registre, dans la cité de Koboro, le quotidien des conducteurs de taxi-moto n'est pas loin de ceux qui sont à Cotonou et dans les autres villes du Bénin. L'appellation est également la même, Zemidjan. La différence constatée se trouve au niveau des conditions de travail plus corsées à Parakou, avec en toile de fond l'insécurité. Suivant. Connu comme le moyen de déplacement le plus usé au Bénin, le Zemidjan est présent dans toutes les localités. À Parakou, troisième ville à statut particulier du Bénin, l'histoire des taxis-motos remonte aux années 90. Ici, l'avènement de ce moyen de transport local, des personnes et de leurs biens, est entré véritablement dans les habitudes et s'est formalisé vers 1988 avec l'idée d'identifier les acteurs de ce secteur par un maillot uniforme. À Parakou, si vous voulez,
te dirais que ça a démarré comme à Porte-Nouveau et autres depuis les années 82, 83, ainsi de suite. Ça prenait corps petit à petit. Mais il faut reconnaître que c'est vers 88 que Paraguay a eu l'idée de mettre en place un droit de formaliser en disant aux hommes de coudre des blouses et d'être numérotés pour pouvoir être identifiés. C'est ici que cela a démarré. Et quand ça a commencé, au fur et à mesure, les autres villes aussi ont vu que c'était une bonne initiative et ils ont copié. À ce jour, beaucoup de choses ont changé dans le secteur des conducteurs de taxi-moto à Paracou. Il s'agit par exemple des associations de Zémigans passées de 1 à 13 en raison de l'effectif sans cesse croissant des conducteurs. L'on note également le changement de maillot occasionné par la plus grande réforme initiée par la mairie de Paracou dans ce secteur. Changement également au niveau du moyen roulant utilisé par ses conducteurs. Par rapport à sa consommation, par rapport, ça dit, au plaisir que l'on sent quand tu es sur la matte, ça fait que les gens ont abandonné les autres motos. Surtout les clients ont préféré que ça soit celui-là qui a une matte les fait déplacer. Parce que c'était de luxe. Aujourd'hui, c'est la moto Bajaj. Chaque chose a son temps. S'il est vrai que le secteur ne permet pas véritablement aujourd'hui au conducteur de nourrir son homme, il n'en demeure pas moins qu'il a permis à plusieurs acteurs de joindre les deux bouts. Moi, personnellement, j'ai commencé en 1993, au temps du président Soglo. Et ça marche. Et je sais bien comment je roule. C'est dedans, moi, j'ai pied carré. C'est dans les construits. C'est là que mes enfants vont à l'école. Celles qui ont BAC, celles qui ont BPC, celles qui ont CES, il y a des temps que j'ai fait. C'est une organisation que je m'organise un peu. Parce que je ne m'en passe que je me dépasse. Des difficultés submergent cependant le secteur, l'insécurité en premier rang. Moi qui est ici, là, ils m'ont braqué. Ils m'ont braqué à Bakerou. Là, on casse le caillou là. Donc, dans Zémidjan, il faut être attentif, il faut être tulé. Avant, là, on a commencé Zémidjan, avant, on n'a pas braqué, on n'a pas de bandits, on n'a pas de volets. Tu peux être à moto dehors, tu vas sortir, revenir, prendre ça. Maintenant, actuellement, Zémidjan n'a pas de confiance. Au-delà de tout, le Zémidjan reste un moyen de transport public inventé par les Béninois. C'est une activité qui mérite plus d'attention de la part des autorités de la ville de Paracou et celle du Bénin. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.